achieved. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'épisode de Apocalypse War, l'épisode 5-6, tous les jeux vérifiés. Je sais, je dis ça tous les débuts d'épisode, maintenant je vais faire ça. Je suis à l'épisode 6. Ben voilà, je le sais au moins. Alors, l'épisode 6. Donc je disais donc que tout va bien. Donc je vais commencer les autres défis. Donc je sais pas ce qu'il me reste. Je vais regarder. Je vais look. Allez. Sortir dehors et aller récolter deux stacks. Ah oui, c'est vrai, les deux stacks. On va les finir, hein. Ah oui, et aussi j'ai découvert pourquoi je buguais. Alors attendez. Je crois que je me suis fail de stack. Ouais. Pouf. On va dire qu'on a 38, comme ça on laisse le 64 ici. Et j'ai découvert pourquoi je bug beaucoup. Parce que vous voyez tout ce feu. Et bah ça fait bien bugger ma machine. Hein. On peut le voir en appuyant sur F3 que là je suis dans le rouge. Alors que pouf, là je commence à descendre un peu. Et même ça reste comme ça, vous voyez. C'est à cause de l'animation qui reste toujours actif. C'est un peu chiant. Mais bon, on fera avec. Du feu partout, je vous jure. Bref. Donc alors, quel défi je vais pouvoir faire aujourd'hui? Donc déjà sortir dehors les récolter, on va le finir cette nuit. Faire un épisode dans la mine. Non. Faire une vie sous terre. Pas maintenant. Construire dehors pendant qu'il fait jour un mini mob. N'est-ce pas? Non. Tuer 6 creepers en une journée. Ça, on va essayer plus tard. Cette nuit, pardon. En une journée et une nuit, je vais essayer de faire en une nuit. Sortir dehors avec tous tes objets, ça c'est fait. Et mettre une citrouille sur la tête pendant un épisode. Et je remercie le cheater du 21 pour ce petit défi. Et ce qu'il m'a bien embêté, c'est... Au début je croyais que c'était facile, mais non. Parce qu'il faut que je trouve une citrouille. Parce que je crois que j'en ai pas dans mon coffre. Non. J'ai rien. Ah bah si, j'en ai là. Ah bah juste là. Allez hop. Alors on va en prendre une, tac. Yeah, citrouille. Mode citrouille activé. Surtout avec la 2, je vais rien voir. Je suis obligé de le mettre pendant une épisode. Mais bon, on va rien voir comme ça. Tout le monde va rien voir. Mais on fait avec. J'ai une de ses têtes. Yeah. Ça m'embête un peu, mais bon. C'est le défi. Je le fais. Ça pique mes yeux même. Donc en attendant, on peut aller descendre. Donc j'accepte toujours les défis, hein, parce qu'il me manque des défis un peu plus qui se font en dehors de... Enfin, là j'ai beaucoup de défis qui se font en dehors, moi j'aimerais bien quelques défis qui se font dans les mines par exemple. Allez, on descend. Hop. On voit rien, je vous jure. On va aller par là. On va finir ma petite pioche. Ah bah voilà, je rejoins notre circuit, moi tiens. Ah, du fer, je l'avais pas vu. Voilà, comme ça, aujourd'hui, j'utiliserai cette pioche-là. Encore du fer. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah oui. Ah oui, c'est vrai, je devais tout enlever ça. Ouh, j'avais complètement oublié. Je vais enlever tout ça pour commencer une petite mini-ville ici. Je sais pas si je le fais en même temps que vous, parce que voilà. Sinon, ce que je vais faire, c'est je vais faire une pause. Je vais pendant que je mine tout ça, et on se retrouve donc juste après. Allez, ciao, bye bye tout le monde. On se retrouve juste après. Voilà, j'ai enfin fini de tout déblayer. Donc bien sûr, j'ai laissé les blocs qui n'étaient pas de la cobble pour vous montrer bien sûr ce que je récupère pour éviter de cheater. Voilà, déjà j'ai utilisé deux pioches en fer, il m'en reste plus qu'une, celle-là. Grâce au fer que j'avais trouvé en plus, j'en ai retrouvé un petit peu après, mais vraiment peu. Donc là, je vais miner le reste, on va prendre ça. Pouf. Hop. Donc ça va pas là. Je prends du charbon parce que j'en avais besoin.
Pour chauffer quand même pas mal de cobble. Oui, on va en chauffer pour faire les maisons. Enfin, quelques maisons. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, ici sera là où je ferai ma maison. Enfin, ma maison. Mon village, parce que j'aurai un petit village. Bon, bien sûr, avec personne dedans. Sauf si un jour je le mettrai en serveur, peut-être, qui sait. Peut-être un jour, ma main, je la mettrai en serveur et on pourra finir plusieurs. Mais bref, c'est envisageable. Peut-être pour un épisode. Hop. Mais aussi, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Bon, je suis un peu occupé, hein, bien sûr, avec mon projet de jeu. On est un peu occupé aussi avec les cours, etc. Donc, hein, hop, on essaie de faire maximum possible. Voilà. Je crois que c'est bon. Ah, là, il reste un peu de fer. De toute façon, ici, je vais devoir ouvrir en haut. Hein. Je vais devoir faire des étages en plus, alors. Hop. Et voilà. Donc, j'avais commencé à chauffer un peu de fer. On peut en mettre un peu encore. Enfin, du fer. Un peu de cobble. Là je vais mettre du fer. Vous voyez, je suis plein de cobble, hein. On va se faire un petit coffre, un petit double coffre, et je vais remonter là parce que ça fait un petit moment que je suis en bas là. Hop 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 hop, enfin, j'ai compté pile poil, bon. Alors attendez, pouf, voilà, désolé. Voilà, voilà. On remonte. Et pouf, et pouf, et pouf. Ah oui, ma citrouille. Pff. Alors, je suis désolé, je l'avais enlevé pour miner. Parce que ça m'énervait un peu. Bon, j'étais hors vidéo, donc c'était pas pendant l'épisode. Donc, je suis censé. Je ne suis pas censé l'avoir. Pas obligatoirement. Mais là, j'avoue que je l'ai oublié au début, mais bon. J'ai rien fait de spécial. Et voilà. Pour ce petit ralentissement. On regarde de l'œil, attention. En espérant que fasse nuit. J'ai pas fait mon show toute la nuit, non, c'est bon. Allez, on peut y aller. Est-ce que j'ai une hache? Ouais. Donc là, il faut. Est-ce que j'ai une épée? Ouais, j'allais dire non, mais si. Allez. On va aller là-bas. Parce que là, je crois que là-bas, c'est un nouveau biome que j'avais pas encore visité. Voilà. Un peu de trucs, donc j'en utilise un peu, tant pis, je suis obligé donc du coup de le ramasser parce que je me rappelle plus combien j'avais, donc c'est entre peu et pas important. Moi ouais, je réutilise les phrases de Bob. Oh non, commence à faire jour. Ah ouais, je crois. Oh non, vite, faut que je me dépêche, récupère moi tout ça. Allez. Pas là, non, on 64. Vite, vite. En plus, il brûle l'arbre. Ma maison. Allez, là-bas. Vite. Pire, j'ai de l'eau sur moi. Je reviendrai en courant, marin. J'espère en un seul morceau. Là-bas, allez, dépêche, 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 dépêche. Ouais, j'ai fini. Allez, maintenant on y va. On va se réjouir. Et à l'intérieur. Oh merde, je suis dans la merde. Cours. Ouf. Ouais, j'ai fini. Ouais, ça y est, je peux déjà valider un succès. Un succès. Un truc. J'ai récolté 2 stacks de 64 de bois. Tac, voilà. Donc ça, ça en prend au moins déjà un. Et avec la tête que j'ai, ça fera 2. Donc on continue, on descend.
Attendant qu'on a fini ce succès, on peut aller en bas. Et ben, je l'ai fini in extremis quand même. On descend, descend, descend. Et voilà. On enlève un peu de gravelard. Hop là. Allez. Je sais qu'il y a une technique avec les torches, mais je vais pas l'utiliser. Pour 3 bouts de gravier, c'est bon. Bon, faut que j'arrête d'utiliser mon épée quand même. On va le prendre à la main. Hop. Et voilà, voilà. Hop. Dernier bout de grave là. Voilà. Ça fait pas mal de gravier quand même. Et donc voilà, j'ai enfin eu la place de ce que je voulais. Par contre, juste pour voir un peu comment ça fait, j'enlève vite fait la truc parce que sinon je vois pas très bien les alentours. Ouais, ouais. Ça fera l'affaire. Pour commencer la ville, ça fera largement l'affaire. Bon après, bien sûr, il faut encore que je casse encore un niveau. Un niveau ici. Au moins pour avoir un peu d'espace, ça bougeait. Mais ça, on peut le faire plus tard. Ah, on va faire une toute première maison, mais vraiment, ce sera des petites maisons, hein, de toute façon. Il n'y avait pas de taille dans la faire une ville. Hop, 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 hop. Ah oui, j'ai oublié de dire le nom de mec. Alors attendez. Sortir dehors, aller récolter 2 stacks de bois en faisant des ruisseaux d'eau. Pas obligé. Vu que maintenant les ruisseaux d'eau, ils parlent. C'est genre 4992. Et voilà, ton défi est fait. Hop. C'était prévu. Et voilà, au moins on a une petite maison comme ça. Et bah du coup maintenant vu que j'ai beaucoup de bois, je vais pouvoir en utiliser. Et vu que je sais que le bois s'arrête plus, on peut en avoir dans les autres biomes. Enfin dans les autres biomes. En rechargeant les trucs. Les. Ah. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Les. Je sais plus. Les chunks, voilà, je cherchais le mot, les chunks. Donc bah voilà, on a déjà une première maison. Alors, je vais quand même l'agrandir, mettre des fenêtres. Mettre des fenêtres, oui peut-être. Je sais déjà que moi j'en ai pas alors hein. Je vais y mettre des pas mal de choses assez jolies. Donc on va lui faire quand même une petite hauteur, hein. Elle aura un toit en je crois plat pour le moment. Et vers la bah non plat plutôt pour les villageois et un toit triangle. Enfin un toit en triangle ouais, pour moi. Avec des escaliers. Parce que je vais. Pour les villageois, je crois que je m'en fous un peu de savoir qu'ils ont un toit plat. Bon. C'est entre peu et pas important aussi. Ça on peut le dire. Et puis ce que je peux faire, c'est laisser deux de hauteur. Pour dire qu'on est sous-sol. Ça on peut bien voir qu'on est dans le sous-sol. Ou plutôt non, je vais laisser 3 de hauteur, ce sera mieux. Bon. Voilà. C'est ici en plus. Plus de place. Pour l'instant, on laisse comme ça. Voilà, ça nous fait une petite maison ici. Ah voilà, on a déjà une maison. Et donc, vu qu'il s'est passé une nuit et une journée, je crois qu'il va être le temps de qu'on se quitte alors. Vu qu'on aura déjà bien avancé quand même. Enfin, un temps, une journée. Quoique, parce que j'ai passé pas mal de temps. Allez, on va pas se quitter maintenant. Hop, hop. On va rester encore un peu ensemble. Le temps que je fasse mes petites. Hop, hop. Petite chose. Bon, pour l'instant, je bloque pour être bien. Pour que ça soit clair en fait dans ma tête. Pour pas que je sois perdu. Donc, déjà, je vais faire là où seront les maisons. Donc, les chemins seront de chemin de 2. Je sais pas déjà. Pour l'instant, je sais pas en quoi je vais les faire. On verra bien. Je crois que je vais les faire en cobblestone. Les tailles de maison bah, sera toujours les mêmes. Ou des fois un petit peu plus grande de largeur ou de côté. Genre celle-là, hop, un petit peu plus grande. Pour qu'ils se différencient un peu. Ça va déjà, vous voyez, je crois que celle-là ce sera ma maison. Comme ça, ce sera fait. Hop, je vais pas faire
un village. Enfin, si, je vais pas faire, je vais pas faire de grande maison. Je vais faire un petit village tranquille. Alors là, ce sera les toilettes. Ce sera une petite maison. Ce sera les plus pauvres. Ils habiteront ici. On sera très serré en fait dans le truc hein, quand je regarde. Vous allez dire elle est plus grande que la mienne, mais elle est plus, elle est peut-être plus grande en largeur, mais elle est très maigre. Allez hop, voilà, très maigre. Donc les portes on les fout ici. Voilà voilà. Donc ça nous fait déjà 4 maisons. C'est déjà ça, ça peut commencer à faire un village. 4 maisons. Ça nous fait un petit terrain. Un petit terrain avec 4 maisons. Un petit village, bah oui. Un petit village de 4 personnes. S'ils ont une femme tous, ça fait 8 personnes. S'ils ont tous un enfant, je t'ai plus compté. Ça nous fait 12 personnes. Et puis voilà. Un village de 12 personnes. Mais oui, c'est possible. C'est un village dans la campagne. Donc on va prendre un peu de bois du coup. On va prendre les 64 qui sont là. Est-ce que j'ai faim ? Un tout petit peu, on va pas y aller tout de suite. On va chauffer du fer et on va en prendre aussi du fer. Voilà, on redescend. J'ai besoin de bois, c'est tout. Donc j'aurais besoin d'hortes aussi. Je vais amener de l'herbe en fait jusqu'en bas. Donc à la place des escaliers en cobble que j'ai là, je le remplacerai en herbe. Quand j'aurai plus cette tête, parce que ça m'énerve un peu, je le remplacerai en herbe. Et comme ça, l'herbe va descendre jusqu'en bas. Et on va pouvoir faire des terrains, on va pouvoir même faire pousser des arbres et tout. C'est bien sûr, je vais faire un biome. Un biome, oui, comme ça qu'on dit. Hein. Un biome où dedans il y aura des. Oui, dedans il y aura des arbres. Donc, on va se faire un peu de bois. La moitié, tu me donnes, on fait des bois. 64. Parfait. Ouh, j'ai peur. Fait du bruit. Je mettrai des vitres plus tard. D'abord, ça sera un peu pour se repérer, pour faire des portes aussi. On faudra mettre des torches dans les maisons, sinon je vous dis pas tous les creepers que je vais recevoir. Je vérifiais bien que j'étais en normal. Enfin, normal, pas en peaceful au moins. Je vais en recevoir des creepers là, si je mets pas de lumière. Je la couperai plus tard. Là. Voilà. On va mettre des torches. Oups, désolé. Je voyais rien à cause du. De la citrouille. On va en mettre là. On va les mettre à l'entrée des torches. Hein. Ça fait beaucoup là. Pardon. Pouf, pouf, pouf. Ah, pas de temps. Hop, 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 hop. Voilà, voilà. On a déjà nos petites maisons. Alors, ça donne quoi comme ça? Bah, pour l'instant, ça donne des maisons sous terre. Mais après, il y aura bien sûr plus de choses. Hein. Là, c'est les tout premiers villageois. On sera ici un peu resserré. Mais bon. On s'en sortira. Déjà, je vais casser ça. Au moins, on est un truc. On s'est un peu plus libre sur la tête. On peut déjà commencer à mettre du bois. Hop là. Continue, continue. Donc j'use un peu ma pioche en pierre. Hop, et une fois que j'aurai fait ça, je crois que là on va commencer à se quitter. On va commencer à se quitter, non, on va se quitter plutôt. donc je finis ça. Papapala. Voilà. Ici maintenant, et ce sera tout. Par contre, j'en aurai de la cobble, hein. Je peux en chier maintenant. Voilà, voilà.
Hop, 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 on prend tout ça. On aime et on remet ici. Oh, quand même cher, bon. Et ben voilà. Donc on va se quitter maintenant alors. Et hop, on passe par là. Et donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et donc j'ai fini un défi en même temps. Attendez. On va juste mettre ça au four. Hop là. J'ai fini un défi, c'est de mettre ma citrouille pendant tout l'épisode. Yeah. Donc j'enlève maintenant. On voit plus clair maintenant. Allez, ciao, bye bye, à la prochaine. Ciao.